Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR. Comment ça va, Fou Ça va très bien, toi Ça va très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour la première deck, deck du nouveau standard avec Aftermath. Alors, nouveau standard, pas extrêmement nouveau. Il y a quand même pas énormément de cartes rajoutées au format. C'est plutôt le, le complément de l'extension euh, March of the Machine qui est arrivée euh, sur Arena et en papier d'ailleurs. Et du coup, on se devait de tester le deck qui semblait le plus, euh, le plus prometteur, le plus évident en tout cas, euh, des, des nouveaux decks qui apparaissent avec euh, cette extension, c'est le deck Omnixelis Combo, du coup, qui combo avec tous ce Phyrexian. Avant d'en parler, petit pouce bleu, anticipation de confiance, ça fait toujours plaisir. Également nos sponsors, Play My Magic Bazaar, Code Valet -PL 2023 sur leur boutique, ça vous donne 50% de points de fidélité supplémentaires et ça nous soutient qu'on vous utilisez une seule fois par compte et par an. N'hésitez pas, faites-vous plaisir, ça régale, et merci aussi à Vox. Merci beaucoup à Vogue, qui est une application d'enchère en live. Vous pouvez, le lien, vous pouvez trouver pardon, le lien de téléchargement dans la description. On a un code parrainage ValPL. Vous pouvez télécharger l'application avec ce code parrainage. Vous nous soutenez dès lors que vous effectuez votre premier achat. Et on est en live deux fois par mois, le mardi soir au profit de la Croix-Rouge. Et on passe toujours des moments délicieux. C'est comme des lives supplémentaires. On discute, on échange, on papote, tout en vendant des cartes au profit de la Croix-Rouge. N'hésitez pas à passer sur l'application pour ne pas rater ça. Vas-y, on en pense quoi on en pense quoi Alors déjà c'est une combo de deux cartes et demi. Puisque ouais. euh, les deux de cartes. Deux carte et un effet. Voilà, deux cartes et un effet. Euh, mais il y a quand même beaucoup de cartes différentes qui euh, provoquent euh, la combo. Du coup... C'est assez facile. Hein. Euh, Omnixilis Sky Captive, c'est la nouvelle carte euh, qui est rajoutée qui permet de créer ce deck. 4 mana, on a une 4-3 vol piétinement. Bonne stat. A chaque fois qu'au moins un adversaire perd exactement un point de vie, mettez un marqueur plus impuissant sur Omnixilis Sky Captive. Exilez la carte du dessus de votre bibliothèque jusqu'à votre prochaine étape de fin. Vous pouvez jouer cette carte. Donc beaucoup d'effets dès qu'un adversaire perd un point de vie. Vous ne devez pas lui faire perdre un point de vie. S'il perd un point de vie tout seul, ça marche sur Omnixilis. Donc s'il utilise un Pain Land, eh ben, ça met un marqueur sur Omnixilis et vous exilez la carte du dessus patati patata. Mais ce qui nous intéresse, c'est le fait que quand l'adversaire perd un point de vie, on met un marqueur, et eh bien ça marche avec tous ce firection. Parce que quand on met un marqueur, on met un dégât où on veut. Et du coup, quand on met un dégât à l'adversaire, eh ben, ça trigger Omnessis qui prend un marqueur, qui trigger tout Spherexion, euh, qui met un dégât, etc. Et du coup, on one-shot l'adversaire. Euh, ne vous amusez pas à vous dire, tiens, je vais d'abord tuer son board avec ça, ça n'a pas marché. Parce que l'adversaire perdra pas de point de vie, vous n'avez pas mettre de marqueur et ça se stoppe. Euh, donc la combo c'est ça. Et du coup, on disait deux cartes et demi, puisqu'il faut un effet de perte de point de vie à l'adversaire. Fort heureusement, on a plein de cartes qui font ça dans le deck. Et en plus, qui sont bonnes en standard, donc ça fait plaisir. Un truc du cimetière, euh, ça le fait en arrivant en jeu ou en attaquant. Euh, tuk -tuk, il est où Enclume du culte d'Eoni, ça le fait quand on sacrifie un artefact. Hop, on fait un drain de vie. Hein. Euh, L'invasion d'Arzgol, quand elle arrive en jeu, elle fait sacrifier une créature en plein zoker et perd un point de vie à un joueur ciblé. Et les piquets un vol reine il inflige une blessure à chaque adversaire quand il arrive en jeu. Du coup, ça... Ça marche euh, pas trop trop mal euh, pour déclencher la combo. Autour de ça, on a un pack Ragdos classique avec Brise-Bancaliast, Moissonneur, Droit à la Gorge et Femme du Brise-Miroir. Et la petite Shield Raid qui marche pas du coup pour la combo elle, parce que c'est deux points de vie. Mais il ouais. n'y euh, a pas de galère, ça marche quand même pour tuer l'adversaire. Euh, les Tsokenzan aussi marchent un petit peu. Bon, là, c'est des, des créatures à 1 qui ont la célérité, donc ça peut trigger la combo, même si c'est. C'est assez rare à mon avis de l'utiliser pour ça. Et, euh, et voilà, on a une base du coup entre le Rakdos Midrange Classique et le Rakdos Envil avec des petits effets euh, euh, style si enclume avec l'épicurien. Et on y rajoute du coup deux cartes. Une qui est très bonne même sans la combo, nixilis Une par contre qui n'est là que pour la combo, qui n'est pas très bonne sinon. Mais si on ça. aligne un petit peu les étoiles, ça one-shot l'adversaire, c'est un petit peu dur de répondre à la combo, on va dire, enfin, il faut tuer Omnixilis ou empêcher vois, ouais. euh, de, de prendre un point de dégâts par exemple. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de dés qui n'interagissent pas forcément de suite, ou Ragdos classique, il n'y a pas beaucoup d'antibêtes éphémères qui tuent Omnixilis, donc ça peut être un petit peu plus compliqué. En euh, ouais. side, qu'est-ce qu'on a, attends, on a attends, toi... attends un hop, Juste qu'on qu on présente un petit peu l'idée du pourquoi du comment on ferait ça. En gros, le questionnement basique qu'on va avoir sur ce deck-là, c'est est-ce qu'on a le droit de jouer une mauvaise carte pour une combo qui peut OTK en standard Et donc vraiment, l'intérêt principal va se porter sur tout ce Phyrexian Est-ce que plutôt que de jouer un deck Ragdos classique qui ne se parerait pas de la combo mais qui n'aurait aucune carte morte, Aurait plutôt des Invokes d'Espère et des Chandras par exemple. Est-ce que ça sera un upgrade ou un downgrade plutôt que d'avoir euh, tous ce Phyrexian qui, elle, est une carte qui ne fait absolument rien mais qui? Euh, va tuer votre adversaire directement. Je ne suis pas persuadé que ça soit en la faveur de Tousphérexian mais c'est exactement ce qu'on va vouloir tester aujourd'hui. Il y a un autre petit downgrade à vouloir jouer la combo Tousphérexian Obnixilis, c'est que plutôt que de jouer un deck Ragdos classique, qui a été fine-tuné notamment par les joueurs professionnels lors du Pro Tour, eh bien vous avez, entre guillemets, cette espèce de semi-version, euh, le cul entre deux chaises avec euh, Ragdos Anvil, qui va jouer quand même des épicuriens vol d'arène et des enclumes euh, du Kultoni, qui sont globalement des cartes qui sont vachement moins bonnes que ce qu'aurait joué Ragdos Midrange de base. Donc ça fait quand même beaucoup de downgrade pour une combo OTK, à voir si cette combo, si le coup d'opportunité de la combo, elle, euh, entre guillemets, surplombe le downgrade de la, de la decklist. Et pour le coup, personne ne le sait, il faut qu'on teste pour savoir. Et c'est ça qui est intéressant, je trouve. Exact. Euh, en side, du coup, on a 4 contraintes, le droit à la gorge supplémentaire, deux omnixilis l'adversaire, pas trop, trop fan de sa présence en standard, en tout cas en side avec Val, mais bon, ça peut grinder des contrôles si jamais on en affronte. Euh, et pour le coup ça ça marche très bien avec tous ces actions parce qu'on met euh, beaucoup de dégâts à l'adversaire si on sacrifie une créature. Enfin euh, n'importe où, pas qu'adversaire. 3 euh, exterminés euh, au cas on ait besoin de plus d'anti-bêtes. 4 euh, barrages lithomantiques, ça c'est les anti-bêtes, mais particulièrement contre les decks euh, blancs et esper. Et on a une dernière carte qui est l'invasion d'Asgol, le quatrième exemplaire. Pourquoi pas, ça marche bien quoi. Euh, on est parti ben allez, on est parti ouais. à noter qu'on a une petite synergie entre tous Fierixian et l'invasion d'Asgol. C'est d'ailleurs pour ça qu'on joue cette carte-là. Au-delà de Trigger aussi, l'effet d'Omnixilis en faisant perdre un point de vie. Ça vrai. permet aussi de mettre des dégâts avec tous Fierixian. Donc il y a une espèce de double emploi pour cette carte. Ouais. Pourquoi pas. On est parti de la liste de the Nerdistive qu'on a trouvé sur MTG Arena Zone. Euh, on a changé un peu de carte de side, rajouté un terrain en plus. Euh, voilà, par ci par là, ce qui nous avait l'air d'être mieux. Ah euh... oh! On est au ladder gold, excellent sur ce compte. Hop combo, standard avec classe... Mais attends Val. Avec classement. As-tu vu Deux. Ben regarde, il n'y a plus deux manches gagnantes écrites comme de la merde. Oui oui, t'as un petit 1, un, un petit 3. Incroyable. Ouais. J'ai vu, j'ai vu. Ouais. Incroyable, après quoi Huit mois Mec, il faut... mettre euh, ah en c'est la euh, chose positive. C'est vrai, c'est vrai. Ah, ce que je voulais dire, c'est que ça a pris seulement 8 mois pour mettre un bouton à la place d'un texte vertical. Mais vous avez peut-être plein d'autres choses à faire, Belle. Ah, Notamment oui. coder les cartes de ton jeu préféré. Exactement. Et surtout, avec le moulin de cartes qui arrive par an, forcément, ça prend du temps de dev. Ah oui. Et pour le coup, il y en a quelques-unes de cartes qui arrivent. Ah, il y en a quelques-unes. Il n'y en a pas deux. Qu'est-ce qu'on voudrait, euh... qu qu voudrait taguer là pour tester bien chez Ragdos, bah, le mur Ragdos Midrange classique comme ça on pourrait ouais. voir vraiment à quel point euh, euh, le fait d'avoir euh, tous Phyrexian et une créature qui prend anti dans notre deck est un downgrade non, pour, pour le pas. coup je, je suis un peu me disant en fait j'aime bien Omnixilis qui synergise avec tous les effets ping ouais j'aime pas, euh, pas du tout d'avoir euh, tous Phyrexian ouais c'est vraiment ça qui est gênant parce que Omnixilis c'est pas déconnant de considérer le considérer je suis un peu médisant. oh c'est excellent ça c'est keep c'est bien ouais on a qu'un 1 donc on peut difficilement faire mieux. Oh, c'est au le deck, tu connais Oui, alors je sais pas comment ça marche mais je sais que tu fais plein de trucs et, et ouais, des bêtises. Ça génère une infinité de board mais du coup ça va très mal interagir avec notre combo donc euh, un peu aux F. En tout cas la une, parce que je pense que après ça doit y avoir des contres. Il peut ouais. Oh, Il on a le combo, c'est bien. Alors là, ça, ça va pas être fou. On va plutôt essayer de combo avec. Non, surtout, tu gardes un effet pour trigger ta combo là, vu qu'il va mmh. probablement pas interagir avec ce que tu fais. Ouais, j'ai ça qui peut trigger. Ah mais ça, tu vas le jouer avant. En fait, tu vas le curve au tour 3. Oui, mais justement, je pose la combo, j'attaque, et ça trigger. Ouais, faut, faut ouais. Oui, c'est vrai. Faut que t'aies une bête au cimetière, mais ça devrait pas être trop dur. Une, une bête au cimetière, mais ouais, ça doit se faire. Je préfère avoir un effet. Si jamais tu peux garder un effet ou tu choisis de le trigger toi-même, franchement, on se fait plaisir. Hein. Je crois que ça tu vas le tuer avec ton C'est joué dans le deck wall. De quoi C'est joué dans le deck wall ça Pas à ma connaissance, non. Je crois que ouais, on est sur le ladder gold. Ouais, t'as peut-être tagué un adversaire gentil, écoute, profitons-en. Un truc, qui va exiler ça de deux. Ils sont pas toujours tous très sympas les adversaires, donc celui-là on le prend. Alors pour l'instant, je vous le concède, euh, on connaît ce qu'on fait là. De surprise. Ah bah de toute façon, on connaît, il hein, n'y a pas, de... <laughs> pas vraiment de secret. Ok, donc là, je vais faire Obnixilis. Ouais. Pas d'attaque pour essayer de combo ton prochain. Bah ouais, si, si ton oppo de toute façon n'a pas d'interaction, il sera battu par cette synergie-là. Donc contre les decks, ton interactif, c'est un vrai euh, un vrai upgrade. Je mm. pense notamment à Ragdos qui a un très mauvais match-up contre 5 c ramp, Et bah justement, avec ça, il devrait avoir un plutôt assez bon match-up. Excellent. C'est chevalier. Okay, bah, il, il se bat, il a bien raison. Bon. Et là, on est assez mal pour le coup. Ouais, on passe de gagner à pas gagner. Ouais, après, tu peux faire tout ce phyrexion. Le tour d'après, tu feras invasion d'Asgol pour euh, lui détruire deux cartes. Ce sera genre OK, quoi. Allons-y. C'est chevalier, Adeline. Hein. C'est bien vu, ça. Ah, deux lords, c'est très bien vu. Ouais, là on se fait bien, bien bourré. Hein. Heureusement, les tokens sont simplement humains. Il euh, y a des chances. Ah ouais, tu veux pas te champer Tu prends tes 7 points comme un... comme un grand Ouais, je vais essayer de garder cet intrus là parce qu'on tue. Tue deux bêtes. Ouais. Ah non, avec les brisements, que... qu on, va... on va tuer plein de trucs là. C'est excellent ça. Pardon. Normalement, tu peux tuer Adeline normalement. Mais je crois que je peux tout tuer. Tu peux tout tuer sauf l'aumônier, ouais. Si jamais tu commences par 3 points là, ensuite as -goal, ça, ça, tu as ce Ça, ça tue, ça, tue les... ah non. Oui, ça tue de bête, Oui, ça tue de bêtes sauf qu'il va sacrifier l'aumônier, donc... Euh... Euh... Ah, mais de toute façon, t'as as banque donc tu peux y aller, oui, c'est bon, en fait, pardon. J'avais ouais, pas vu que tu avais le deuxième brise -bank. banque. Ouais, non, c'est bon. Tues ça. Et là, maintenant, là... euh, qu'importe ce qui se passe, il est échec et mat. Trigger. Ce sera lui. Et ensuite, on met les 4 dégâts ici. L'aumônier que okay, je vais exiler. Non, c'était pas si mauvais. Euh... Ouais, je vais attaquer ça. Tu moi, veux pas tiens. taper dans ça Ouais, tape là-dedans. C'était pas si mauvais, tout sur Action. Tape dans le fond, dis donc. Ouais, là-bas, il se trouve que de manière un peu anecdotique, ça s'est révélé être très puissant. Ouais. Hop, ça part. Mais... <laughs> euh, non, mais vraiment, ça a fait quelque chose, hein. Ouais ouais là ça a fait quelque ça chose. A ça a littéralement fait... vrase son board. Après bon comme tu dis on avait un peu les étoiles mais. T'avais un setup double brise -bank dans ta main. Ça s'est euh... bien passé. Tu okay. peux mettre quatre barrages d'item je pense qu'il va ça... être très content d'affronter va... ça. Plus des ah, exterminés là ça vraiment on va se mettre tout doux. Exterminés est-ce que je tue grand chose parce qu'avec ses lords c'est vite hors de portée. Hein. Bah tu... tu tues au moins ses lords déjà donc ouais c'est qu'il est pas obligé de faire double lord. Non, ça... non on va, on va sider le plus contrôle possible, tu vas remettre ça, tes droits à la gorge bien, hein. on va enlever euh, l'invasion d'Algol je mets le droit à la gorge de plus ouais c'est ça, là t'enlèves les brise-banques parce que en fait le problème c'est que t'enlèves plein de cartes qui synergisent avec tout ce mais on peut juste aussi avoir un plan de jeu midrange très puissant mmh. contre les créatures tu vois J'en vrai un je pense parce que ouais c'est ça et du coup bon. tu un épicurien ça sert à rien et un épicurien ouais ça ça, ça rime en plus épicurien ça sert, ouais rime riche parce ouais. que c'est le même mot c'est vraiment une rime très très riche, rime avec rien, c'est super dur à faire. Après ça rime parce que c'est pareil quoi. Et puis que rien, rien, tu vois. C'est vraiment genre la rime, la rime de l'enfant. Ah, il y a un peu de soldats aussi. Bon, on s'est un peu perdu sur cette ouais. game. Oui, oui. Mais c'est pas grave, je t'ai dit... Euh, Moi je, je suis content, je hein, genre on montre ce que ça fait, on a fait combo combo. Euh... Ouais, ouais, on n'est ouais. pas TKT, dans de la performance. TKT, TKT, on regarde là. Non. on découvre, on s'instruit, on performe ailleurs. Et on au passage, genre à ouais, euh, château trade, on là. va essayer de performer, par exemple. Ah, tu prends pas le petit trade. C'est initiative. Ça, initiative. Ah bah, ouais. as bien fait de pas prendre le petit trade du coup. Le trade était très mauvais. Bah ouais. euh, ah, j'aime bien ça Un alors. trade unilatéral. Salut, tu me donnes tes cartes. Ouais, on échange de quoi Et tu me donnes tes cartes. Bah non, juste tu donnes. Ah, mais j'y perds Ah oui, tu perds tout, oui. Ah oui, tu perds, ouais. Et si t'es pas content, euh... c'est le Falzar avec. Qu'est-ce que tu penses d'enclume Je commence à drainer faire mon petit trick, ça. T'as la manette choisie. Allez. Un moissonneur, en fait, sur ces trucs, c'est un peu moins bien. Zoo. Ça t'aurait permis de checker son drop 3, peut-être. Et de faire un moissonneur avant de sacrifier avec ton enclume. Peut-être que c'était d'abord mieux moissonneur, ça. C c ça comment dire, ça permettait de l'utiliser, de le rentabiliser. quoi Genre, t'aurais ouais. pu checker une adline là. Ah ouais, en fait, on aurait du moissonneur. Je suis trop con. S'il fait 2-3 bah, Adeline, t'aurais pu moissonneur into enclume le tour d'après. Moissonneur into enclume Ah oui, bah, enclume autour au De quoi okay. Enclume autour 3. Ouais. Et c'est ça, et t'aurais fait enclume autour 3, mais au préalable, t'aurais utilisé les deux tokens de moissonneur pour tuer une, une Adeline. Ouais, bon, c'est pas vrai. grave voilà no. bon, c'était ça de toute façon il nous l'avait révélé hein, qui est sûrement pop ouais 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 euh... ben moisson moissonne moi, lui celui-ci moissonne je fais quoi je fais une autre bête ou je garde mon token 100 je garde mon token 100. ouais je crois que tu veux le garder pour pouvoir gérer avant garde quoi que t'as ton ouais non 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 garde ton token 100 effectivement effectivement avec le deuxième moissonneur ça permet de faire des des trucs pas ça. Putain, ça a l'air bien nul comme les deux hein. initiatives parade 1 pour un ah bah il y a un 4, c'est un peu chiant. Ouais. Ouais, en même temps, ça fait un peu rien, je sais pas si tu si Ça tu fait vois, un peu rien. Mais c'est pas peu un chiant. peu rien quoi. Je trouve pas de land. Après tu pas, pas de lion des, de des savanes euh, avec une toche blanche quoi. Oh. Et écoute, je te propose Sokenzan, Sholdred et et là tu verras vraiment que ça fait rien du tout ce qu'il propose. OK. Ah j'aimais bien Micilly se de faire des bêtises mais c'était pas bien. Moissonneur, je tue son truc, son 2-1 là. Moi sonne là-dessus. Je, je redraine. Oh je draine. Drain N6 Oui. Lui-même. Drain n demande. C'est moi. C'est moi Doug. J'ai pas déjeuné ce matin. Ouf, ils sont pas ouais, chevaliers. Ouais. Et lui non ouais, plus. Ouais, ouais, ouais. On sait pas. Ah, mais bah du coup, sens. ça a l'air assez nul. Alors, ceci. Et du coup. Explique cela. Je peux trouver. Ah non, j'ai trouvé mon land avec Omnixilis. Colsca pas cool. Bon, en même temps, Kolska Kolska pas cool. A on perdu. dirait que c'est un pseudo. Colsca pas cool. Kolska pas cool, exactement. Bon, vas-y, relance un petit là. Ça ah oui. Être, euh, ah bah là, là c'était. Sinon, c'était fast-fast deck-tech. Hein. Ouais, mais des fois, ça fait du bien. Il y a quelqu'un qui a mis en tech, commentaire. Attends, euh... euh, c'était quoi C'était. Euh, mais je m'en fous que vous gagniez, que vous perdiez. Moi, je veux voir une vidéo longue. Mais alors, dans ce cas-là, mon poulet, tu as la chaîne TV pour avoir plein de contenus annexes et en plus, tu peux nous voir en live. C'est incroyable, incroyable quand même. Tu rends-tu compte Après, c'est vrai que les lives à deux, à part le week-end dernier où on, on l'a fait pendant 30 heures, euh, c'est moins souvent que des vidéos. Bah, c'est deux fois par mois sur Voct. Hein. C'est deux fois par mois sur Vogue, c'est deux fois par mois qui fait kiffer. Eh oui. Quand même. Donc finalement, c'est eh une fois par semaine. Maintenant, dites-vous que si la deck tech est trop faste à votre goût, il y a une chaîne secondaire qui s'appelle Valépel TV et il y a masse contenu. Donc si la vidéo est trop courte, tu peux directement enchaîner sur le contenu de la chaîne TV. Ça, ça fait plaisir. Enfin, je pense, hein. Ah bah oui. Si j'étais vous, c'est comme ça que je penserais en tout cas. Moi, je suis abonné. Hein. À tv ben bah moi aussi, ouais. tiens, je me suis abonné hier. Donc, sommes abonnés. Mais j'ai attendu parce que je me suis dit, je vais voir si le contenu me plaît et le contenu me plaît. Pareil. J'ai dit, putain, euh, je suis pas sûr au début, tu vois. Mm. Ça a pris son temps. Euh, en parlant de TV j'ai vu ma première game de l'Orcana Ouais. Euh, sur, euh, sur YouTube. Et. Euh, et eh ben c'était euh... peu ou prou ce à quoi on s'attendait. Alors oui, mais les gens euh, l'orent beaucoup. La, la dynamique. Euh... Ouais, les gens, les gens essayent de scorer vite. C'est ce le, que me disaient ouais, les le... gens qui ont déjà eu l'occasion de tester le jeu. Euh, est plutôt ça passe aggro, en fait. De euh, alors là, j'ai vu, ça durait plus longtemps, mais les, la game quand même dure, dure genre moins d'un quart d'heure. Une ouais. Mais attends, mais dans quel multivers te trouves-tu, là, PL Mais je ne sais pas, parce qu'en plus, à chaque fois, euh, je dis aux gens Non, mais euh, mon ladder, même quand je reset et que je suis en bronze, j'affronte des vrais decks. Et ils le voient. Je t'aide, genre Grixis Midrange en bronze. Et là, oh, en ouais. gold, bah, j'affronte un petit peu plus de. Ouais, ouais. Après, c'est très bien pour les vidéos. Hein, de... J'aurais bien voulu tester le deck contre un gros deck du format. Ça. Mais c'est vrai que. Euh, on va, faut toujours oui, moissonner au début, oui, oui, comme oui. ça tu d'abord. C'est vrai que vu qu'on a enchaîné des, euh, des vidéos difficiles, ça fait pas de mal. Non, 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 bien sûr. Et, et ça aurait bah, été bien pense, de prouver on... euh, que, euh, avec un, un deck comme ça, on peut gagner contre des decks normaux et qu'on n'a pas besoin de deck de chien, comme ouais. disent certains en commentaire, pour gagner <laughs> <des> matchs. <laughs> on l'aurait peut-être pas prouvé, cela dit. On ne l'aurait peut-être pas gagné. Hein. Je ne suis on pas persuadé que ce soit un, un upgrade strict à ce que fait le format. Euh... Cette petite combo là, mais, mais pourquoi pas? Et, euh, et du coup, ouais, l'Orcana, euh, effectivement, les gens l'orent assez vite et, mmh. et du coup, la gestion de bord est super importante. Mais bon, je suis pas, pas plus surpris euh, ouais. que ça. Ah, je, veux dire, je me demandais si on attendait d'avoir 20 l'or pour le faire et en fait, non, parce que les early drop te permettent de l'orer. Euh, euh, ouais, ouais, on m'avait confirmé ça aussi de mon côté. Pas de bloc hein, pour l'instant, tranquille. Non, non, pas de bloc, ouais. Pas de bloc, pas de bloc. Tiens, montre-moi, montre lui, lui ce que ça fait, Sholdred. tu connais Sholdred? Tu le connais lui? C'est ton ami ça, Sholdred? <laughs> vos amis, c'est vos amis ça? Qui se fout de votre gueule? C'est le, le coach sportif. Sholdred, deux bras de jambes, comme vous. Hein Elle est pareille. Ouais, ça prend un bête, Sholdred. N'ayez pas peur sur le champ de bataille. Alors, le coup, deux bras, oui, mais huit jambes. Donc ouais, euh, huit jambes. Pas tout à fait pareil. Ah oui, là t'es vraiment. T'es euh, en terre ingonu là. Ouais. Je garde ma confiance. Tu veux jouer de Toussphirexion suis... Pourquoi ouais, ouais. tu veux jouer sur Toussphirexion ouais. C'est nul Je sais pas. Pourquoi t'as fait ça Fais-moi confiance, Val. <laughs> ah, es vraiment... Là t'es en mode spectacle. Il y a un bouton on-off chez PL. Hein. Euh... Ah putain, je pioche le land. J'aurais dû défausser le land. Terrible. Il a flingué la main le type. Ah, je suis bien, je suis bien là. Alors ça, ah, les bah drains ouais, de ouais, vie, ouais, ouais. À de bien les dames de vie que je fais. T'as l'air vachement bien, effectivement. 14 à 13. Je vais piocher ah, au ouais. et ça va être fini. Ah, T'as de la chance qu'il ait pas un anti-bet dans son paquet, euh, le type en face. Oh, il est à la malédiction. Oh, les vengeur. Contrôleur. En... Pas, un point de vie, on le sacrifie. D'accord. Ah non, on sacrifie un parlant et on perd un point de vie, pardon. Et le 2-2, euh, il fait quoi Bah Du coup, je vais trade. Non c'est un contact mortel. Attends, mais au début de notre entretien, le contrôle du permanent enchanté sacrifie un permanent non-terrain et perd un point de vie. Bah ouais donc Shred. Parce que de toute façon je vais devoir sacrifier Sholdad. Tu peux sacrifier n'importe quel autre permanent, on est d'accord. Non-terrain. Ah oui, mais tu peux sacrifier genre. Ah euh... je peux sacrifier la constructe. Excellent. Je crois hein. Et ça va trigger, ouais ça marche. Normalement, attends, je teste. Ouais, je veux... Tu vas toujours avoir des kimchi je crois normalement. What ah, c'est en ah, entretien de l'adversaire. Ouais, ah ouais, oui, ouais. c'est vraiment pourri en plus. Ah, mais du coup, non, ça fera pas de 1 Donc c'est pas bon. En bon, faisant ça. Non, mais enfin, il faut garder Sholdred, quoi. Il faut savoir Sholdred garder, comme on dit. Euh, euh, euh... Bah, sacrifie ton 1 avec, euh, avec ça. Hein. Mais oui. Hein. Ça fera pas de 1, mais tu vas quand même garder ta petite Sholdred. Mais puis que rien, il dégage d'ailleurs euh, il avait attaqué avec zombie. S'il avait attaqué avec zombie, t'aurais pu bourrer toi en retour. Hein. Euh oui. C'est pas faux. Ouais. Spaf. Eh, ouais. eh non, c'est Spaf. Mais ça fait deux chien. fois que j'aurais pu attaquer avec shoulder je sais pas, je gardais en bloc. Je suis non-spectacle, Val, laisse-moi. <laughs> je je, je diverti. Ah, je suis sur la je... foule et t'es le mec dans le public, qui fait Eh hey, tu sais faire ça Fais-le <laughs> Non Je suis cinéma, j'ai pris ma place, personne me fait chier. Si vous êtes pas content, vous avez qu'à jouer vous-même. Oh Excellent! Ah, excellent! Alors là, tu me feras le plaisir d'y mettre une petite sauce. Merde! Hein. Si, ah, mais je mets un petit dégât, Liliana! Oui, oui, oui! Ah, bah cadeau, cadeau! Merde, là, là! Hop. Ah, de toute façon, Boop. je pensais pas aller saucer dans Liliana, hein. je pensais aller tout droit dans Cyberboog. Hop, Cyberboog, ça part. C'est lui, Boog? C'est moi, Boog. Sacrifier <laughs> euh, le token sang ou pas, on le garde? On le garde ce token 100, il est bien <laughs> ou pas? <laughs> Allez! Vas-y, garde-le. Oh, ah, Oh, sacrifie hein bah, ton token sang. Oui. En réponse, je sacrifie à conclure. C'est une ça question qui revient souvent ouais. quand on commence le jeu. C'est est-ce euh, que on peut sacrifier un truc en réponse quand on nous demande de sacrifier Et c'est pareil. Eh ben non. Et non. non c'est pas, pas, pas pareil. Sacrifier un moment, Si vous refusez, vous perdez deux points de vie ça plus une carte. Enlève enclume ma bonne dé. Non, mais ça fait combo là si on trouve Hob. Euh, ah, toi tu veux faire la. Ah, combo oui, oui, j'y crois moi. Mais on ah, a la on a un peu fait, le tour d'avant. Hop, il perd deux. Ah, bah attends, il est mort là. Et <laughs> eh oui. Cette vidéo du désespoir, c'est fou. Hop C'est terrible. <laughs> il est content. Où, où je suis Val là Mais vraiment, et ça, ça ne m'arrive jamais. Hein. Quand je vais lancer des ponté. petites sessions ladder, je trouve un deck sympa, je me prends 3 grixis min range d'affilée et je remballe mon deck sympa, ça dégage. Ils sont Allez, où là un peu un, Les cybermo, ils un peu sont où quand j'ai besoin de vous On <laughs> euh, dit un peu d'interaction à lui. Quoi, quoi que j'y fais euh, bah, Exterminer, droit à la gorge et tout. Exactement. Et on va lui enlever un petit brise Un petit brise Un petit épicurien. Un, un petit épicurien. Un petit invasion d'algol. Ouais. Là, on fait la popote. Hein. L'asgol, c'est de l'eau. Et. on et... Enlève, enlève une asgol de plus. On se fout de euh... notre gueule avec ça. J'en avais plus que rien, non ah, si, tu veux, si tu veux. Allez, allez, allez. allez si si ah, J'aurais pu dire, j'enlève montagne. T'aurais fait, allez, si tu veux. Si tu veux. Allez, vas-y, enlève montagne. Il n'y a pas de gain. Ah, on fait, n'importe quoi, là. Ça me fait plaisir. Mais c'est bien, ça, ça décompresse. Ça doit être lourd à porter. Euh... Le bas du corps de Sholdred quand même. Hein. Mais je sais pas, est-ce que tu les sens lourdes de tes jambes Ah ben j'ai pas les mêmes que Sholdred, si tu veux, elle en a 6 de plus que moi. Euh, mais quand même, malgré le poids, tu sens pas. Ah je sais pas, hein, franchement. Tu penses en... On... Ah ouais, je pense c'est grave, lourd. Hein. Je pense Sholdred, elle tombe du lit, euh, elle traverse elle traverse le plancher. Hein. Oh, le lit de Sholdred. Euh, Extermine-moi ça. À chaque fois qu'il crée... Hop play. Procession de ghoul. C'est un deck bloc. Ouais. Après, ça a l'air d'être un peu un deck budget. Je pense qu'on est sur un adversaire qui a pas forcément de quoi crafter toutes les rares et tout. Et du coup, dans son deck budget, il a une synergie, il a une certaine cohérence, tu vois. C'est malheureusement pas très fort, surtout au regard de ce que nous on joue. Mais c'est un deck zombie budget, je pense. Un zombie budget. Oh, je fais ça, je sacrifier je bris C'est trop fort. Allez, j'attaque pas. J'attaque, j'attaque pas. J'attaque pas. Attaque pas. De deux des touches, euh, costaud. Hein. pas envie d'attaquer. Hein. Est-ce que je peux dire euh, je crew et en même temps que j'engage pour crew, je sacrifie, je tue ça. Tu peux le dire à ton adversaire et s'il appelle le judge, tu es disqualifié. Je fais non, non, mais je déconne. Il n'a pas non, compris, je déconne. Oui, hein, c'est mon, mon pote, c'est euh, mon pote. Il a dit que mon pote. J'ai une caméra à la main. Ah, excellent. Euh, c'est pour C'est un prank. J'ai essayé de tricher à Magic. C'est pour la faire, miniature. Je vais faire ça en fait. Fais donc. Super. Fais donc c'est quoi, je suis spectateur là. Allez. Je suis spectateur d'un spectateur. Je ne sais pas qui commande cette partie. Mais qui spectate ici J'attaque pas... Je tue son champion de trépassé ou pas Ouais ouais tu tues. Tu en vrai moi. je peux bloquer. Mais tu tue pas son champion, tue sa goule là. Mais ça va refaire un 2-2 et ça trigger ça. Ah bah tu es champion alors, t'as raison. Je suis un peu napp aussi. Ça a fait une 2-2 aussi, hein, mais... Ah, heureusement d'ailleurs qu'il est 1-1, parce qu'après ça marchait pas avec le trigger de ça. Mm -hmm. Je sais pas si c'était euh... Eh ouais, ouais, je sais pas où je suis, je suis désolé. Je m'excuse, je ne... Mais en même temps, on n'a pas l'habitude d'affronter zombies, si tu veux. Donc, euh, je sais pas où je suis non plus. Hein. Ouais, ouais, ouais. Non, mais même la présence de, de Cyberboog avec son deck zombies, je, je ne l'explique pas. On dirait que je suis ouais, fondé, que de que de que je. Fasses fais, fasses non, mais attendez, là... euh, ils sont là, les Grixis quand je joue. Non. Cette game me, me ravit au plus haut point. Car j'ai bien mangé. Ouais. Je suis bien repu. J'ai la, la, la peau du ventre bien tendue. Et du coup, je suis un ouais. peu dans cet entre-deux où j'ai un peu envie de faire la sieste. Ok. Je, vois. je ne sais pas si ça se voit dans cette vidéo, mais il se trouve que je pourrais m'endormir. Ce... Je ne l'ai pas senti, honnêtement. Moi, ouais, bah, bah, j'essaye de le cacher, évidemment. Tu mais connais oui. la professionnalité. C'est bien caché. Tout. Mais disons que si ces games sont faciles, nous permettent seulement de discuter en autopilantant un peu, ouais. j'y vois pas trop d'inconvénients. Mais peut-on combo, on, on, te... combo on peut. Oh putain, <laughs> il te fait des trucs un Oula. peu sales, c'est rigolo. <laughs> ah, il fait des questions. Genre truc, un peu, tu vois. Ouais. Un peu mignon. Pas de souci je prends deux. Alors... Moi, je Vraiment, pioche. le deck de ton Oko, c'est vraiment de ce que j'appelle de l'expérience boutique. C'est-à-dire que tu affrontes un, un nouveau joueur boutique qui a monté son deck, entre guillemets, avec les communes et les onko qu'il avait à disposition, tout en l'agrémentant de quelques rares. Il a une synergie. Et toi, quand tu affrontes contre lui, quand tu tombes contre lui, pardon, tu veux absolument pas perdre, tu vois. Oui. C est, c est, tu rigoles pendant euh, 3-4... Euh... Ouais, tu euh, rigoles tour. 3-4 tours et tout. Et après tu, tu fais ok, bon, alors, on rigole ça, plus ça. Tu joues un deck format et donc tu sais que as naturellement l'avantage contre son deck. Mais là il commence à te mettre des 7-6 et plein de tokens de 2 ah, ouais. Et, et d'un coup tu tu deviens un peu, tu te mues dans le silence. Là on rigole plus en fait. Et ouais. Ouais, je rigolais, Mais sans le faire je savoir plus. parce que tu es une personne sympathique, tu vois. Ah oui. Hop. Une espèce de, de pression qui s'enclenche de. J'ai pas trop envie de perdre contre ça quand même. Je prends deux, Je détruis ça. Alors ça m'arrangerait que tu ne concèdes pas Cyberboog parce que j'ai quelque chose à montrer. J'ai euh, des petits trucs dans la poche. Le Cyberboog, il, il concède pas, je pense. Tant qu'il n'y a pas chez Oldred, il concède pas. Ouais, ouais. a bon, après, il a raison. Hein. Allez, ça, ça dégage. On oh, droit à la gorge, j'ai compris par contre. Hein en même temps, t'as un deck qui tue les bêtes et ton oppo il joue des bêtes. On va pas, on va pas te plaindre. Hein. Ah non, 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 non. J'ai un truc. Tu désolé PL, mais tu ne vas pas faire durer cette game jusqu'à le tuer avec la combo. Hein. Tu vas juste respecter Cyberbug et le tuer quand tu oui, le pourras. Oui oui, c'est juste ah. que là je suis bloqué par le board, mais... Ah oui, d'accord. Mais tu vas le tuer du coup, le board, non Non, mais tu la 3-4 t'es Bourle. là. Ah, j'ai pas pensé à cette ligne de play. <laughs> Je l'avais pas, je suis désolé, je. Vraiment, le spectateur en moi n'avait pas la ligne ah, non, mais en vrai. Par et... contre, il y a 10 on board, donc je peux pas trop attaquer non plus. Si si si, Bah t'inquiète. T'as euh... une 3-3 et une 2-2 en bloc, t'es KT. Ok. Non, mais il faut crew Qu'est-ce que tu fais Mais non, je crew pour bloc. Ah bah moi j'aurais crew pour bourré, moi. Oh c'est pareil, il a 18 ans, ouais. Gros dans tu gagnes des PV en plus. Non, mais qu'est-ce que tu fais Je gagne vois un Pv je gagne un Je PL. Non non là franchement non, non, je, euh, vois, je joue pas, pas jeu. de jeu là les gens <laughs> le voient les commentaires sont est-ce que, est que la combo a valeur de combo quand tu joues ce petit jeu là oh putain <laughs> il joue Zombie Malédiction c'est un film d'horreur gros alors cette plaît mon thème <laughs> bienvenue dans la spirale de l'horreur c'est un méchant du guillaume, exactement Mais oui. T'arrives dans une cave, oh C'est quoi cette cave sur une île de richissime milliardaire Bam il y a un type avec son thème, son thème. Attention parce que là, il va te bourrer en vrai Qu'est-ce que c'est piloté Hop, qu'est-ce que c'est piloté Qu'est-ce que c'est bloqué Trade la Death je pense, hein. Non, vas-y, trade avec... Mais ça se rembourse Comment ça, ça se rembourse Ça va faire 2-2-2 si elle meurt. La 2-2 de ça et la 2-2 de ça. Ah ouais Eh ouais. Merde alors. C'est pas bon. Fais chier Tranquille. Ah toujours pas de... Ah mais as... Oui mais t'as gagné de toute façon on se pose on se pose des questions mais... Euh, mais c'est l'état hein. le... Si si moi je sais oui. c'est sûr <laughs> T'es qu'à. Quatre... <laughs> J'ai pas es compté quatre, hein. Es compté, ok, bon. Je regarde. Déso. Pas de combo. Si je pioche une partie de la combo, on, on attend un peu. Non, en plus c'est pas gentil pour Cyber. Oh, non, non. Mais non. Si t'as dit oui, mais non, non, j'ai dit non. Ah, j'ai entendu oui moi. Ah ouais, putain, c'est bizarre. J'étais persuadé d'avoir dit non. Avoir non, dit non, putain, non, non, merde. Putain, c'était un nom qui voulait dire, dire oui, Val. Il est au courant. Oh. Non, j'avoue, c'est pas clean. Bah si, là du coup c'est clean, parfait. Et on passe hors de sur cette vidéo. Ce oh, j'avoue, le, le deck de notre repos était probablement un deck. Euh... Pour débuter, cela dit nous on a ouais. vu quand même que le deck était assez fonctionnel. Enfin, ah bah là on que avait gagné. que un une carte exécrable et je trouve qu'il y a quand même deux trois cartes pour la rentabiliser dans le paquet quoi. Ouais ouais, sur, euh, bon, on les a un peu tues, mais à la une quand ouais. on, on se fait chiper euh, Omnixilis euh, le tour où on va combo et gagner. Euh, mm -hmm. bah, derrière on fait tous faction, on survient un tour. Pshou, 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 pshou. C'était. Euh... Franchement, c'était euh, meilleur que ce que je pensais. Genre, ça a rehaussé tout ce qui est action dans le deck, sans être ouais, exceptionnel. Ouais. Ce qui fait que j'ai envie d'en de, faire un petit peu plus, d'en voir un petit peu plus. Moi, ouais, c'était pas mal. J'avoue que je, mm. je suis curieux. Et puis, l'avantage de ce deck, et c'est ça qui fait des bons decks de standard généralement, c'est que il y a des fois où juste tu trouves euh, lui, euh, et lui, et elle. Oui, oui. Bah, et ça fait une, déjà une bonne game. Là. C'est une sortie Ragdos naturelle mmh. qui, euh, qui peut s'enclencher et qui rend le deck effectivement assez solide. Ouais. Dites-nous dans les commentaires ce que vous, vous en avez pensé, si vous avez testé le deck, si vous avez vu d'autres versions de ce deck-là. En tout cas, je sais que la combo Tousphérix Omnixilis euh, est pas mal testée par les euh, différents créateurs de contenu. À voir dans quelle shell ça s'implémente le mieux. Voilà, Nous, on a bien aimé la shell qui mixait Anvil et Midrange. Ça nous permet de continuer à jouer des bonnes cartes et surtout d'essayer de rentabiliser nos cartes de combo mmh. pour qu'elles aient un peu de valeur de manière indépendante. À voir. Exact. Euh, D'ailleurs, la chaîne ce qui est une vieille chaîne, maintenant standard. Ah oui, oui. Donc, est-ce est que c'est une chaîne -ce Drucker Oh putain. Non, Elle est, non, elle est un peu <laughs> compliquée. C'est compliqué. non, non, bon, je laisse. Cette vidéo, pouce <laughs> bleu, commentaire, partage nos réseaux sociaux dans la description avec notre chaîne Twitch, Magic Arena FR, Et surtout, n'oubliez pas, c'était de, de la belle magie. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi, vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description.